de neige. Sur votre gauche, s'il vous plaît. La caméra. Que sonna là, comme dans le film, là, de jacuzzi. Vous, tous les trois. Ici, s'il vous plaît, au milieu, tous les trois. Camille. Normal. Ah bah c'est bien, il y a les coups. À gauche, à gauche. Tous les quatre en face, s'il vous plaît. À gauche. On y va. Bonsoir et bienvenue Sylvie, soyez la bienvenue. J'ai pas parlé, j'ai pas de micro. Mais ici, il n'y a aucun problème. Donc alors Sylvie, aux côtés de Diad, il nous a parlé un petit peu du rôle de membre du jury. Comment vous le vivez, vous, racontez-nous. Bah, je me sens un peu comme une ministre de la culture en fait, hein, de parler. Et bah, je lui donne des conseils, je lui dis ce qui va pas dans les films, ce qui va bien. Sur le financement de la ministre. Bien sûr que ça va. Non, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des gens très très différents dans le jury. Enfin, moi, je connais bien la comédie que j'en ai fait beaucoup. Voilà. Je pense que j'ai pas mal de conseils à lui donner. On a une vraie spécialiste. Non, on a une experte en la matière. Oui. Ça, c'est important de le préciser parce que voilà, il faut avoir des personnes qui sont autorisées, comme on dit aujourd'hui. Exactement, dans les milieux autorisés. Bon ben moi je vais vous laisser, hein. Ok, j'ai une merci. Merci beaucoup pour votre participation. C'est décidé. Je m'en vais. Et s'asseoir à côté voilà, de moi. C'est important. Voilà. Pardon, bonsoir. Mais Max, bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes membre du jury aussi. Membre du jury aussi. Alors là, vous avez un petit côté carillonneur de Notre-Dame. Ouh, d'accord, une référence. Ah non, mais ça, c'est Notre-Dame. Bonsoir, Gad Elmaleh. Bonsoir. Beaucoup. Merci. Voilà, je voulais juste vous dire qu'on a vu beaucoup de films, des films qui nous ont fait rire, d'autres qui ne nous ont pas fait rire du tout, d'autres qui nous ont laissé perplexes, d'autres qui nous ont fait réfléchir, mais en tout cas, on a vu que la comédie française se portait bien, très très bien. Donc cette année, nous voulons remettre à Pio Marmaille le prix d'interprétation pour le film La toute première fois. Pio Marmaille interprète de toute première fois, qui est un premier film qui a été présenté avant-hier soir à l'Alpe d'Huez. Je tiens à remercier toute l'équipe du film d'abord, parce que c'était une aventure assez surprenante et drôle, et engagée, militante. Et intelligente aussi, parfois pénible pour certains, parfois dure, mais au moins on s'est marré, je crois qu'on a fait quelque chose d'assez singulier, en tout cas d'assez moderne. Papa ou maman, avec Marina Foïs, on laisse les comédiens monter sur scène, les producteurs s'ils le souhaitent, Marina Foïs, Laurent Lafitte et Martin Bourboulon. Thank you.
Je voulais juste dire très rapidement, sans faire durer le suspense, que le Festival du film de l'Alpe d'Huez est le seul festival de films de comédie en France. Et après m'être renseigné un peu, un des seuls au monde, il y en a trois dans le monde entier. Et c'est important de le signaler. Et j'ai l'honneur et le bonheur de remettre le grand prix OCS du festival du film comique de l'Alpe d'Huez à toute première fois. Noémie Saglio et Maxime Gobin. Noémie Saglio et Maxime Govard, les réalisateurs, Pio Marmaille, Franck, Gaston Bide, Camille, Cotin, Adriana, Gratiel nous rejoignent. C'était en plus notre toute première fois pour beaucoup de gens, pour Noémie et pour moi en tant que réalisateur, pour nos producteurs Renaud Chélélékian et Édouard Dupré, pour Adri, notre comédienne pour la première fois. Et puis voilà, on a eu des comédiens incroyables, Pio, Franck, Camille... Et tous ceux qui sont pas là, donc du coup voilà, c'est une toute première fois qui se passe très très bien, d'habitude c'est un mauvais souvenir, là c'est un très bon souvenir. Pour conclure, non, j'ai juste envie de dire qu'il faut qu'on continue à célébrer la comédie, et ce festival est formidable, et merci aux partenaires qui le soutiennent, merci à Clément et Fred, à Jackie et Michel, et voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci beaucoup.